Celle-là, je l'ai vu tomber. Et l'autre. Ouh, elles ont pris cher les deux mouettes. Une sur la route et l'autre sur la route. Parfait, Rico. Ça, c'est de la galinette cendrée, ça. C'est de la mouette, mais une fois que je l'ai déplumé, gros, ça ressemble à une galinette, ça va passer crêpe. Il verra que du feu. Quand je passe là, ça arrive dans mon... Oh, il y en a une là qui remonte. Oh, ça va être chaud, celle-là, à la faire. Tiens, si ça va être chaud, ils sont fous, eux. Laisser tourner. Voilà, ça on va la faire tomber sur la route. Maintenant. Pouh. Elles sont folles les galinettes cendrées. Elles goûtent ma main. Je sais pas combien de temps ça se garde ça. Ici là 0 on tège, ça 150, ça là. Ah, une mouette par là. Tiens, elle est là, elle décolle. Oh, elle a goûté sèchement. Il y en a une autre à gauche, donc c'est l'autre que la première déjà. Un corbeau à gauche. J'ai vu une ombre là, il y en a une au-dessus de nous là. T'es fou toi. Avec la rate sur le chemin. Mais t'es fou toi. Amène la galinette à tonton. Oh, il y en a une autre là, elle arrive au-dessus de toi. Par contre celle-là elle est loin. Eh, désolé Gildas, elle a goûté. J'espère que j'ai encore un pruneau. Non, je l'ai fait béton. Mais non, elle tombe, mon gars. Ah, elle est trop loin. Elle. Ah, mon pélo, c'est une bonne plaine hein, pour chasser ici. Hein. Je le garantis. Hein. Ouais. J'ai déjà vu, bordel. Ah, j'arrive, j'arrive. Ah, je me sers, hein, je fais comme à la maison, hein, mon pélo. Ah ouais, on entend carrément que ça boule, bordel, mon gars. Attention, les steaks. Ah ouais, en mode pirate, tu les poses sur la pierre. Impeccable. Pourquoi drop? Ah putain, la cuisson, elle est trop cuite, mon pélo, guette. Elles sont mortes, là. Ah, fallait pas revenir à côté, je l'avais retiré avant. Celle-là doit être encore bonne normalement. Bah je vais vérifier. Ils veulent que je ramasse des cailloux. Mange-la là-bas. Mange-la là-bas, qui m'a dit. Eh ouais, à mon avis, ouais. Je suis revenu trop près du feu. Elle est bonne hein, mon cousin. C'est de la bonne brochette ça. J'aurais dû prendre, faut qu'on prenne des épices, des conneries comme ça, hein, ouais, sûr. Ah bah oui. Les igloos, la base.
pas regardé le métabolisme avant. Non, ça va, on est bien. Oh bah elle était bien bonne hein, mon copain. Oh putain, il y a une galinette là. C'est pour moi ça. Oh, un peu de vent quand même hein. Pas abusé non plus. Ah bah tiens. Le bon chasseur et le mauvais chasseur. Et celui qui recharge pas. On va l'attendre qu'elle revienne. Elle est loin, j'ai pas envie de courir là. Mais elle est folle elle. Ouh, elle croustille. Elle finit encore. Elle croustille. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Un vrai steak. Ah, celle-là, ouais, je vois, elles sont un peu... Elle est un peu cuite, quoi. Pas avec le soleil, là, je joue avec le soleil. Un peu cuit, mais... Alors on va la bouffer, hein, voir si c'est bon. S'il nous empoisonne pas avec ça, le cousin. Il est fou, lui. Ouais, elle est goûtue. Il y en a un, là. À gauche, je crois, au bout du pont. Tu l'as vu ou quoi? Je le vois pas, il est aveugle, le cousin. Je vois l'ombre, mais je le vois pas. Regarde, il va atterrir sur moi, là. Oh. Ah ouais. Presque. Mais c'est quoi ce bug? Frère, j'ai la voiture qui est derrière, elle est passée devant. What the fuck? Mais c'est quoi ce bug? Tu l'as passé? Ouais, bah non, j'y suis en train de le découper. Enfin, je te dis, c'est bugué, il y a une desync ou quoi comme. Je vais aller déposer ça en bas, gros. On en a dit. Tiens, il y en a un qui arrive au pont à gauche, gros. Il va passer le pont au-dessus. Et il se mange le pont en dessous. Il va passer en dessous. Tu l'as vu ou pas? Ah bon? Quand même. Putain, très bien sur un flanc à gauche là. Un peu plus long, on s'arrête ou quoi? On met la voiture sur le teco. Comme ça, moi j'ai la barrière de sécu qui me stoppe au bout d'un moment là. Tu vois, la barrière d'autoroute là. Parce que je sais pas comment ça marche. Hein. Ah là, voilà, ici à gauche là. Ah ouais, là ça va être lourd. Là ça va être du lourd. On la prend dans la main, la bordel. Allez, on va tester ça, ma couille, avant qu'il fasse nuit. C'est bien gros, hein, sur une descente à deux, hein, c'était chaud. Hein. Ah ouais, voilà. Oh. La sensation. Ah, roll pas back. Se mettre en force personne. Faut que je te vois rollback, moi. Ah ouais? Ouais, je me suis pris des dégâts, en plus. Mais non. Oh, oui, il descend tout seul, le perso. Ah, ça y est, je loue. Ah ouais, là ça y est. Attends. Hop. Impeccable. T'es prêt le smoke? Il est fou lui. Ouais. Ouais, je sens que ça va aller trop vite gros. Oh, oh ça va. Bah ça gère hein. T'es mal le saut. Ça gère de ouf. T'es fou toi. Ah j'avoue qu'il aurait fallu monter un tout petit peu plus haut. Vas-y, on se refait une petite dernière descente. On va remonter plus haut je crois. Ah ouais, la base. En fait, j'étais emmerdé à cause du tronc d'arbre, j'ai dû tourner à gauche, là. Tu me vois normal? Ok. Allez, go. Allez, deuxième tentative. Attention, je crois que ça va arriver très vite, là. Ah, j'espère. Putain, j'arrive à me manger un truc. Oh, tu pars. Oh, putain! T'es fou, toi! Allez, con. Ah, en fait, ça prend un peu de vitesse, mais sans plus. Je m'attendais à plus un peu. Ouais, mais je pense qu'on est. Ouais, peut-être parce qu'on est deux. Une dernière fois un peu plus haut, parce que là. Ouais, peut-être parce qu'on est deux aussi. On va savoir. Oh putain, il arrive comme une balle. Ah, des barres. Ça part très vite. Je crois la première que j'ai pris, impeccable. Dis ouais, tout seul, je pense que ça va un peu plus vite. Ah ouais? Ouais, je pense. Vas-y, j'en teste un dernier saut, les Gérard. Un saut de Gérard Junior. Allez, j'arrive. Les Gildas, t'es fou, ça va envoyer du pâté.
Oh merde, putain, je suis coincé sur le rocher, frère. T'es mal. T'es mal, le Gérard. En train de galérer. Oh merde, dommage, putain. Putain, je peux reculer. Mais... vite, putain, je suis deg, ça a foiré. Bon, on fera des tentatives plus tard. Là, c'est pas opérationnel encore, la luge. Je suis pas encore. Allez, on décolle. Hop. On met ça dans le coffre, on verra plus tard. T'es fou, t'es... On a pas l'air d'être ouvert. Ouais. Visage de cousin, ça. Et là, le Joe. Il est dans le coin. Là, Nice. Ah, tout bien. Tranquille, hein. Ouais, j'aide un peu le barman. Ouais, c'est clair. Il est là. Ouais, il est là, il est en attente. Salut l'ami, comment ça va? Salut, bien et toi? Bah, tranquille hein, depuis la dernière fois, ça nous, on s'est mis bien. Ouais, ça va bien. Bon, ça va et vous? Nickel chrome. On venait voir le Joe là, on a un peu de barbac à lui refouler là. On lui a tué 17 mouettes. Tu fais passer ça. Ah ouais. Tu fais passer ça pour du poulet, hein, ça passe crème hein, quand c'est déplumé. Il voit que du feu, hein, t'inquiète. Puis on va voir, on va peut-être envoyer un petit message à la radio si la quincaillerie elle est pas ouverte. Hein. On va peut-être faire un peu de business aussi. Du coup, doucement l'espace. Hein. Je vais pas abîmer la porte du barman toi. Reste calme. Déjà la dernière fois tu l'as fait boire un peu de tequila, il avait chaud là. Il y en a un plus gros que les autres, hein. Il y en a un, c'est du faisan, là. Ouais. Il y en a un, c'est pas le même. Il y en a un, il coûte plus cher, hein. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Je sais pas. Bon, du coup, ça en fait combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Moi, j'en compte 17, par contre, combien? Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. La chasse était bonne. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, sur celui-là, ça ferait presque 18 parce que t'as eu la taille de celui-là là. Il est énorme. Attends, je le prends juste pour voir le prix de poids. Celui-là, il fait 0,5 kg. Ah ouais, 1 kg 2. Waouh, la carotte le plus gros, il fait 0,5 mec. Le plus gros est moins gros que tous les autres en fait. En poids, ouais, il est moins gras. Ouais, celui-là, il fait 0,5 kg. Ouais. Une vieille zarotte. Ah, il est peut-être un peu périmé, non? Il a peut-être pris chaud dans la voiture, celui-là. Ah, même. Vas-y, je te laisse ranger ça, stocker ça dans le coffre. 17 paquets, mon pélo, il va mettre bien. Une cartouche et demie, là. T'es fou, quoi. On va pouvoir redescendre à la capitale, redéposer tous les paquets de clopes à la maison, Smoke. Ah, ouais, il vient de fermer. De quoi? De quoi il vient de fermer? Après, moi, je peux les transformer en spring, là. Ça fait 15, je mets un spring. Je te mets un spring à la banque. Vas-y, au pire. Comme ça, on récupère rien. Vas-y, vas-y. Eh ben, je t'en mets que deux. Voilà, et parfait. Le reste, c'est un spring. Deux et un spring, nickel. Hop, un, deux. Okay. Et là, tu l'as vu partir, Smoke, là, en voiture, c'est ça? Ouais, il vient de partir. Bah, ouais. Je sais pas, on lui a parlé, ouais, mais. Toi, dernier? Ah non, là, c'est le stade. Ça va, Stan? Ça va, les Joe? Ouais, ça va, ça va. Et là? Ouais, les cacaillers, ils sont partis pêcher. Ah, les saligots. J'attendais leur message sur la radio toute la journée. Je me suis dit, bon, d'habitude, ils marquent à l'ouvre. Puis aujourd'hui, le jour où j'en ai besoin, ils ont pas ouvert. Ouais. Ok, ok. Pour repérer si Freddy et Zico sont par là, tu vois. S'ils sont sur la radio. Ouais, ok. Ouais, c'est ce que je vais faire à l'avenir. Bon bah ok le Joe, nickel hein. J'espère que les 17 mouettes feront l'affaire hein. Faut que t'arrives à les faire passer pour du poulet à tes clients, y'a pas moyen.
Ouais, t'inquiète. Du coup, vous vendez du poulet ? Ouais, moi je vends du poulet, ouais. Ouais, mais faut pas le dire, on lui a ramené des mouettes. Par chez nous, il y a beaucoup de mouettes, on les a déplumées, du coup, ça passe en poulet. Ça se sent pas au goût. D'accord. Ça passe crème. Et faut pas le dire. Ça passe pas souvent du poulet, hein. Non, poulets, c'est pour ça. Les vrais poulets, ouais, ils sont assez rares. Même dans les fermes et tout, on a beau tout visiter toute l'île avec le collègue. Les lapins aussi, et en plus les lapins, ils sont super rapides. Ouais, eux aussi, ils sont très très rares. Je crois ce qu'on croise le plus, c'est des biches, là. Pas le sang, on en croise à la paix. Alors peut-être c'est notre région aussi qui fait ça. Moi, c'est des cochons. Des cochons, ah ouais. Des ours. Ah ouais. Ils sont tout le temps ici. Ouais, dans la neige là, faut sûr les ours doivent avoir un bon paquet. Tiens, il y a une galinette là-haut qui s'est posée, smoke, j'ai l'œil. En face là où je regarde, dans l'herbe. C'est un corneille. Je vais lui mettre. Ouais. Elle a pas fait long feu la pauvre bête. Aïe 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 aïe. Putain, mais toi t'as la chiasse là, cousin là. Qu'est-ce t'as bouffé là? Oh, là, 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 là. Tiens, regarde l'oiseau, il est en train de descendre le truc. Tiens, je vais en chercher, il va être cadeau celui-là. Oh putain, c'est mal. Il s'est fait saigner la rondelle. J'ai foiré la cuisson sous celle-là là-bas là. Ah bah vu le bordel que tu nous as fait là au milieu de l'allée là. Ah ouais, non, j'ai fait un petit truc, ouais j'ai mal au ventre. Tiens, guette celui-là. C'est cadeau, c'est bonus ça. Il est encore plus frais que ceux que je t'ai ramené. Les autres ont pris un peu chaud dans la bagnole mais. Celui-là il fait 0,5 kg aussi. Hein. Tu vois, c'est une arnaque, plus ils sont gros et plus ils sont mets. Tu vois, vaut mieux ramener des mouettes. Elles pèsent 1,2 kg et quand tu tues un autre bordel, c'est plus léger. Faudrait regarder avec que tu compares avec un poulet. Faudrait que tu compares avec un vrai poulet, voir le poids du poulet une fois que tu l'as tué. Ouais, faudrait que je demande à Vlad là, j'en ai vendu, j'ai pas pesé. Ouais, pour voir. Fais gaffe, t'as des brochettes là, vont cramer là-dedans. Ça aussi, on a fait des expériences avec le feu, cousin. Là, j'ai fait une expérience. Voilà. Et vous êtes bien en vitamine D ? Ah, vitamine D, ouais, ça peut aller, ouais. Mais ça descend vite, je trouve. Ouais, je prends les champignons rouges ou je sais plus quoi, là, pour manger ça. Ouais, pas trop mal, mais... 110%, ça va bientôt descendre, quoi. Attends, tu sais, mon cousin. Ouais, je sais, mais... Et dis-moi, la table rochette, elle est pas en train de cramer, là, le cousin ? Si, elle est morte, là. J'ai foiré la cuisson. Ah, mais on a remarqué avec le smoke, on a remarqué que quand tu fais des feux à l'intérieur où c'est enfermé comme ça par quatre murs, ta viande est cuite en une fraction de seconde, une couille. Ah, brûle direct. Ouais, j'ai vu. Ouais. C'est pour ça, je vais voir avec les magasins s'ils reprennent pas les viandes cramées comme ça pour refaire les semelles des chaussures. Ouais, carrément. Ah, ouais. Là, c'est de la semaine, non? Ah bah ouais, j'imagine bien. Ouais, je les vois. Hein. Je les vois d'ici. Ah, on pourrait s'en servir pour boucher les trous des routes. Hein. Ah, aussi, ouais. Grave. Ah, je vais tester aussi. Bon bah on est bon. Et le cousin, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'analyser la chiasse du Joe, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, il est toujours sur ses gardes celui-là. Il est en bonne santé ou pas? T'arrives à voir ce qu'il a bouffé là? Putain. Et toc 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 là sur les carreaux cassés. T'es fouté. Ah bah regarde, vas-y, s'il est pas là, vas-y, on verra. Le magasin est ouvert, semi-ouvert. 22h, t'es à 22h15, si. Et là. Je veux dire.
S'il arrive, regarde, il est en haut. Ouais, j'ai cru qu'il avait passé par la petite porte par derrière moi, pour faire sorte que c'était ouvert. Y a le Joe à l'intérieur? Ah non. Non, je crois qu'il est dehors, hein, normalement, il n'y a personne, c'est fermé. Vous avez besoin d'un vendeur au magasin? Ouais, si jamais il y a un petit vendeur ou quoi, on a des paquets de Lucky qui nous restent encore là. Savoir si on pouvait les transformer en Spring ou quoi. Tu nous mets ça à la banque ou quoi? Vas-y, pose-moi ça sur le comptoir. Hop. Je te le mets à la banque ou tu veux acheter des trucs? Ça dépend. On va voir avec Smoke si on peut acheter des balles. Peut-être on achètera des balles direct. Ok. En gros, 150 balles en Springs. Ouais, ouais, ça marche. Comme ça, on se débarrasse de tout cela. Et puis, on garde les autres pour acheter des scraps quand les quincaillers sont là. Hein. Ah bah, ça vous fait deux springs. Du coup, je vous mets tout en munitions. Ouais, s'il y a moyen, ouais, carrément. Ouais, y'a pas de soucis. Tu veux quoi, toi? On va en prendre 150 d'une sorte et 150 d'une autre. Tu veux quoi, toi? La SVD? Oui, bien sûr. Ok, puis moi c'est pour la MK18, c'est de la 5. Que je te dise pas de conneries. Donc MK18 et SVD. C'est ça. Ok, bah, je vais vous chercher ça, je reviens. Merci. Les câbles, comme ça on aura déjà un petit peu de bastos en plus pour ce soir. Et puis demain on verra avec les quincaillers. Ah, l'appel des fames. En plus, c'est le mien, ça. Vas-y, fais-le toi, Smoke, si t'as besoin de fame. Je pose celle après de la voiture, comme ça on fait beaucoup. Ouais, carrément. Ouais, comme ça on les glisse direct. Carrément, tu les mets près du coffre, on balance ça là-dedans. Direct, impeccable. Voilà, 150 et 150. Impeccable. La bague de qualité. Nickel chrome. Grave. Encore dans l'emballage. Ça, j'aime. C'est ça. Nickel chrome. Ok, bah c'est cool. Vous baissez pas, les gars. Comment? Vous baissez pas. Hein. Non, t'inquiète, t'inquiète. Surtout se défendre contre ces putains de Z, hein. Ils sont coriaces, hein, des fois. Hein. Ouais, c'est sûr, surtout les gros. Hein. Ah, les gros, quand ils t'encerclent à 3 ou 4, là, des fois, t'es mal barré. Hein. Des fois, tu t'évanouis, ouais, tu ouais. Comprends pas, hein. Ça va plus vite que prévu. Hein. Il fallait quelque chose d'autre au magasin ? Non, non, ça y est, c'est nickel. On a ce qu'il faut, on repassera sans doute demain dans la journée, voir si la quincaillerie est ouverte. Checker un peu les quincaillers. Ouais. Ouais, comme je te disais, pour regarder si Freddy ou Zico sont dans sur ouais, ouais. Carrément. Ils sont disposés. Et eux, ils acceptent les oreilles de zombies. Je sais pas si vous savez ça. Ah, aussi? Ok. Ok, non, on savait pas. Les oreilles de zombies sont une sorte de monnaie de poche. Vous ouais, pouvez pas les échanger contre des paquets ou des alus. Mais ouais. Vous pouvez les dépenser à la quincaillerie ou à la boucherie de... Ouais, voilà, la boucherie, je lui avais acheté quelques viandes au Joe. Mais je savais pas qu'à la quincaillerie, on pouvait aussi s'en servir. Par contre, je serais vous, méfiez-vous de la viande, hein. Elle est un peu frelatée. Après, ouais, non, mais j'imagine bien, BHC, puis c'est même moi qui lui en ramène des fois, je lui rachète derrière, moi. Je connais, hein, c'est les cousins, on fait marcher un peu le commerce. Hein. Ah, c'est vous le cousin, d'accord, ah oui. Eh ouais, pour ça qu'on fait marcher le commerce au Joe un peu. Et d'accord. En même temps, on lui ramène, on lui en rachète, impeccable, il est refait. Ouais, puis vous, elle est restée 3 jours au soleil, c'est pas grave, hein. Ouais, bon, ça va, on les met dans des caisses avec du sel et tout, ça se garde bien, t'inquiète. Ouais. D'accord. Bon bah du coup on va redescendre. Bah, okay. Bon bah bonne et fin bah, de... Bonne route, les gars. Yes, bonne fin de journée. Hein. Dans le froid. Merci, là. Vous chez vous il fait trop froid les gars. Ah, faut sûr. Bah, bon, on retourne au soleil. Le soleil. On est bien. On retourne au soleil, il y a des niglous sous les cailloux. On va pouvoir aller les... Allez, let's go.
Impeccable. Vas-y, bon, on reprend à droite là. Je vais voir ce qu'ils vont. On redescend au sud. À la chaleur. Tellement on se barre, il commence à y avoir du soleil. C'est un sketch ici quand même. Raté bordel. Ça c'est une vraie poule. C'est un vrai poule. Ah ouais. La galinette cendrée mon gars. Toi t'as vraiment un poulet quoi. Ah ouais putain, plus de place. Ok, tu vas le ramener. Faire les saucisses.